sorcier, tuer personne, même si c'est tentant. Hop, là. Timer était parti, je sais pas pourquoi. Des fois, quand je parle les. Je monte les feats, le timer il part. Donc, statistiques versus de café versus les runs parties. Hier, on a bu 3 cafés. On a fini le café avant que les runs partent. Aujourd'hui, première run, on l'avait fini. Alors, on avait fini notre café avant que la première run parte. La deuxième, on a eu du café pendant la run. C'est 1-1 aujourd'hui, café versus run partie. Deux runs dans ce match-là qu'on a raté, c'est parce qu'on a tué des ennemis. Parce que. Hein? On fait ça pour faire despawner l'oiseau parce qu'il est tannant. Il continue à être pourchassé tout le long. Ça va être serré, on a un jump tight ici. Alright. Alright, on a notre premier achievement. On va le resetter pour pas que les trappes s'ouvrent ici. Le but c'est de pas détruire les tourettes. Donc s'il y en a pas, on les détruit pas. Let's go. Là on peut tout détruire. Let's go. Un petit gold en plus. Je suis capable de pogner le top route. Il est parti un peu tard. Let's go. J'ai pété des mouches. C'est l'autre fois, j'ai comme dans la tête que j'étais encore en Pacifique. La première mouche m'a touché. Ça m'a tout débalancé. Mais c'est vrai que les gros cubes que j'ai laser, on les détruit. Trop long. Lui, on n'a pas le droit de se taper dans le dos.
Puis en sautant, j'aurais pu le pogner parce que c'est le talon qu'on pogne, c'est pas son dos. Mais je me suis pas rendu. C'est assez de tête pour le pogner dans les airs de dos. Le fameux toe clip, on y coupe les orteils. J'aurais peut-être pu passer. La grosse mouche. J'ai encore accroché le plancher, j'ai survécu, chanceux. Ok, laser brain, on n'a pas le droit de se donner des coups d'épée. L'ascenseur, on tue pas une mouche. Strat, il a dit la même affaire tantôt. Parce qu'originalement, quand t'avais pas d'esprit, tu pouvais pas tirer les ninjas fantômes, les shurikens fantômes. Fait qu'il fallait vraiment que tu sois à distance avec des vrais shurikens. Aïe aïe. Prendra pas de chance, on va prendre la vie ici. Alright, Scrambler, faut le battre sans se faire toucher. Ouais, à ma connaissance, il y en a pas. J'en connais pas d'autres, là.
Peut-être que je me trompe, mais ouais, c'est. Mais il faut. C'est pas tout à fait une run. Faut le faire en deux étapes. Parce qu'il faut finir à low person puis finir à 100%. Mais en une go. Soixante-neuf essence. Nice. On l'a eu, on peut continuer. Bon, ils ont décidé d'être cheap sur le SP comme tantôt. Au moins, il y avait un gros SP dans la boîte. Déjà ça. C'était weird les boules de la première bébite là, mais ça passe hors de la vie dans pas long. Faut juste pas s'exploser les mines d'en face. J'aurais bien pris le SP, mais ça a l'air que j'ai sauté juste avant. Alright, Hunter Tank, faut pas péter aucune tourette, encore une fois. Let's go. Reste 2 HP, faut pas faire comme tantôt, on peut pas débooster. Si je manque mon jump plus loin. Ça, ça fait 2 de dommages. Fait qu'on le pète, il est méchant. C'est ici. Prochain jump, faut que j'aille comme du monde. Let's go! Bord de la vie en haut. Alright, normalement le seul danger qui reste, c'est le B-Hunter. Si on passe ça, on est parti pour une autre run aujourd'hui. Chemin de B-Hunter, c'est de le battre juste avec l'épée. Pas de
Raising Fire, pas de Swag Blade. Au naturel. Let's go! Hey, Hunter Tank Gold, Bio Hunter Gold. Chapitre 3, il va bien. Deux SP en business. Alright. Achievement. Et voilà, notre run est officiellement parti. À moins d'oublier un achievement, cette run sera complétée avec succès. Vu qu'on n'avait pas le Swag Blade, il va falloir attendre que la bombe explose. On n'a pas pu l'exploser d'avance. Fait que ceux qui me voient faire boum la bombe à saut d'habitude, c'est ici qu'on fait exploser la bombe d'avance. En manipulant la Swag Blade. Le snipe de gauche a bien été. Snipe de droite aussi. Fait juste pas le con, il ferait juste 2 HP. Ça, ça faisait partie de faire le con. Alright, on est correct. Pour l'instant. Ouch. Encore attention, on est sur le bord de la mort. Il y a de la vie qui nous attend juste après. Là. Il pourrait être sûr qu'il y en a d'autres là. Alright.
vu qu'on a perdu, il y en a d'autres là. S'il y a un SP qu'on n'a pas besoin, ah, c'était un gros en plus, pas exprès. Ça passe la drop, let's go. Job, let's go. On est pas dans le chemin trop. Alright, le dragon, famille dragon, pas le droit de toucher à l'eau pendant le dragon. Je pense que j'ai touché à l'eau. J'ai vu un petit floc. Il n'y avait plus de plateforme. Je
non! Oh oui! J'étais sûr que j'avais touché à l'eau. Ok, let's go. Fait que je l'aurais peut-être eu tantôt. Chanceux, les deux fois que les ninjas sont tombés par terre. Les fois que les ninjas sont touchés par terre, ils sont pas bloqués. C'est drôle parce que Mike de Swan il fait ça pareil aussi. I'm dead, I'm dead, I'm not dead! Ça me fait rire à chaque fois. Pogner le shield parce qu'il faut pogner toutes les sub-weapons. Fait que let's go. Celle-là, faut détruire toutes ces boules d'une shot sans toucher par terre. C'est plutôt simple. Petit gold. On est 2 minutes en retard, c'est poche à cause du dragon qui va nous hanter peu importe la sorte de run. Mais la run n'est pas morte. Gold de point 7. Qu'est-ce que j'ai fait tantôt? Ah, oh, je pense que tantôt j'ai pris une gorgée de café. Puis j'avais pas le temps. Ça c'est peut-être pas un gold de point 7. Mais c'est un verre de point 7. Ouais, faut savoir aussi prendre nos gorgées de café, puis même si ça fait un an que je run le jeu, des fois j'oublie. Alright, on va voir le skip, le seul skip dans cette run-là. Alright, là on peut prendre du café. Café c'est mal, vous voyez?
On s'enlève le shield parce que pour la Alpha 1, faut le battre en envoyant juste des parries. Avec un parier avec des shields, c'est pas le meilleur face technique. C'est faisable, déconseillé. Yes, je l'ai. South Park. Ok, là il va commencer à en envoyer deux. Ouch! J'ai oublié qu'il en envoyait deux, mais je viens de le dire. Ah, je me suis pas collé sur lui. Let's go, ping-pong! Ça se pourrait en plus. Le roll, il a le world record, mais. Il a fait une run qu'il a réussi à compléter, puis il a pas poursuivi après. Là. C'est une 28 quelque chose, je pense 53 si je me souviens bien. Fait que c'est atteignable. X2, ce qu'il faut faire, c'est commencer avec pas d'SP, donc c'est fait. Il faut juste à le battre. Voilà, je suis un frimeur, ben je l'ai battu sans SP pour commencer le combat. Check ça, ça descend quand même, là. T'as 2 minutes, on est quasiment à 1h20. J'ai gaspillé un SP de trop. J'ai manqué la Switch en plus. Ben, ça va être surtout sur le retour. Le chapitre 4 et le chapitre 9, j'ai genre 4-5 minutes à rattraper là-dessus, facile. Section aussi. On va peut-être gagner même un petit peu de temps de rester là. Si on tombe pas. Hein, 4 secondes de plus. Alright, let's go.
mieux de me donner un gros truc. Alright, tu es cleaner. Going pretty good. Faut le battre en moins d'une minute, fait que c'est pas compliqué. This is 131.13 is a fake PB because I forgot to kill the in the boring achievement. There was one turret left that I forgot, but I made a PB of 131.22 just after. Yesterday I had some problems starting a run without dying at before chapter 4. Today it's going pretty well on that side. It's my third run of the day. Gadget one, I just see. I forgot the swag blade once when you start over, but I bought one. I saw it just before. I bought one in chapter 3. For the blade extent, I go in chapter 5. I know you, I thought you went in chapter 1 or 2. But I don't remember where is the one you're taking. Yep, Eli. Bon. All right. Well, I know where is it, but where it is, but I always forget to take it. That was close call. Oh, ish focus, focus.
truc avec les boules autour qui m'enlève mon focus. Je suis pas habitué de runner avec ça. Yes, that's where I think when you drop down of the tower of the climb, there's a swag blade there. That's where I usually take it. But I forgot it once, so I remember that I forgot it when I was in chapter 3, so I just bought one there. Swag blade, I know it's in like of a pipe or something in chapter 2. But there's one in that box as well in chapter 5, so. Alright. All right. To the checkpoint just to make sure I don't screw up Exo part. Avec Exo, faut pas se faire toucher, faut garder tout notre. Faut pas, en fait, c'est ça, faut pas pogner de dommages sur Exo. Don't scratch the paint. Ou en français. Touche pas à ma meule. That was a close one. I don't usually do this like that. Je suis pas obligé de tout tuer non plus. Je pourrais laisser passer des trucs. Mais je suis méchant, fait que je détruis tout. Ça, là, je pourrais le laisser passer. Alright, touche pas à ma meule. Pas touche à ma meule. Alright, il me reste du café, on est correct. Let's go.
Va chier! T'es capable de dormir? Est-ce que Rek est rendu midi? Let's go! Ouais, désolé si tout le monde qui écoute avec les jeunes enfants. Fallait pas que je dise des mots comme ça. C'est sorti tout seul. Yeah, I'm pretty regular on the door skip recently. It's nice. But not dying just after, that would be even better. C'est pour ça qu'il faut toujours se coucher les oreilles propres. Oh yeah, on this run the 2 minute behinds are because of Mecha Dragon. He was a bad dragon today. I've been able to make up a little bit in chapter 5, but then relost that time in chapter 7. Wasn't exactly how I planned to do it, but it worked. It's cool. Favorite part. Let's go. I was stuck. Thank you.
une minute de perdu à cause de ce checkpoint là. Je pense que je suis pas mort dans le chapitre 9, ce coup-là. Si le bateau va bien. Oups. Pas grave, la sauterelle va me donner de la vie. Secondes, j'ai effectivement pas mort dans le chapitre 9. On a l'achievement, on peut aller faire combinatron normalement. Oui, ça se rattrape encore. Sur le chemin du retour, c'est faisable. Même ce split là, je devrais avoir si je meurs pas, évidemment. J'étais mort ici dans mon PB.
Parce qu'il faut finir le jeu avec aucun upgrade, c'est un des achievements. Ben c'est ça, après, il faut que je fasse le jeu avec pas de vie. Après, il faut que j'aille tout rechercher. Les upgrades, je finisse le jeu à 100%. C'est comme deux runs en une. Fait que si t'avais vu la deuxième moitié, j'ai plus de vie. Merci, Daisy Fan, pour les good luck. Non, j'ai pas besoin de rebattre les boss. Mais faut que je repasse ceux qui donnaient des upgrades à HP. Faut que je repasse pour aller chercher l'upgrade à HP. Jam. Fait que là, il faut tout revenir en arrière et chercher tout ce qu'on a laissé de côté. Fait qu'on refait le jeu pour aller chercher toutes les upgrades. Aller finir les achievements qui nous manquent. Puis rebattre le boss après. Donc, pogner toutes les sub-weapons. Fait que c'est pour ça qu'on pogne cette gun là. Pour ça qu'on a pogné le Swagblade tantôt. That.
suis jamais capable de rentrer dans la porte. Alright. Tantôt, j'ai eu bien de la misère ici. Slow elevator. Alright, une chance qu'il me manquait juste un coup. J'ai un peu joué avec le feu là-dessus, mais effectivement, il manquait juste un coup. Chapitre 1 y est fait. Revisite du chapitre 2. Yes, un beau code de 10 secondes. Si on va pogner le SP, on va attendre un petit peu, juste le temps que le SP se recharge avant de mourir. Alright. Je suis encore trompé de bord en partant. Oh! Je pensais qu'on pouvait passer à travers la plateforme, ça a l'air que non. Fait que j'ai eu l'air cave en sautant sur place. Alright, un autre auto-scroller. Alright. Faire attention aux pics partout.
pique, ça pique, effectivement. Allô Arthur, comment est-ce qu'il va à midi? C'était mieux de pas me pitcher d'un pic, lui. Alright, chapitre 2 fini. On embarque dans le chapitre 3. J'aurais peut-être dû arrêter au checkpoint, par exemple. Alright, on est correct. Celui-là, je vais le prendre. Ah, il a arrêté de courir. Fait que c'est ça, c'est les ennemis de même tantôt qu'il m'en manquait un à détruire parce qu'on a tué 5. Parce qu'ils ont trouvé que c'était une bonne idée comme achievement de tuer 5 bébites de même. Je vais en avoir une plus loin sur le chemin. Il faut pas que j'oublie ce coup-là. Alright, j'ai fait 50 parries. Un autre achievement de fête. Ici, faut se dépêcher. Sinon, cette bébête-là, elle met un force field autour du SP, fait qu'il faut la battre. Même si j'aime bien ça, tuer mes bébêtes, si on peut éviter, c'est mieux. Ça, ce bout-là, il est chiant. Mais on a super bien fait ça, ce coup-là. Let's go. Je suis pas rendu là, non. Alright, un autre tête de squelette qu'on adore. Quand tu meurs. J'ai splitté un peu vite, mais bon. Alright, là, faut plus pogner le checkpoint du chapitre 4. Si on fait ça, on économise un beau 3 minutes facile. Et voilà, un checkpoint de skipper.
va faire la pièce, c'est sûr, si je gagne mes 50 parries. On est dans le vert. Juste pogner ce checkpoint là, puis là faut plus en pogner dans lui non plus. Ça, tantôt j'avais accroché un checkpoint, fait qu'il fallait que je finisse le chapitre 4 au complet. Au lieu juste d'être warp, d'être abuse, peu importe. Alright, il va rester un upgrade à pogner. Le chapitre 5 est vraiment pas dangereux vu qu'il n'y a plus rien qui traîne là. Tantôt il y avait des pics partout, des boules mauves partout. Quand tu leur visites, il est plus dangereux partout. Là, s'il restait du café, ce serait la pause café. Faut rester 30 secondes dans les airs. Fait qu'on reste dans les airs. Oh, il reste du café! Là, il en reste plus. On va skipper ce checkpoint là après, faut pas oublier. Let's go. Juste pour la forme. Let's go, on a skippé un autre checkpoint. Là, on a tout 100% le chapitre 5, let's go. Alright, il reste un checkpoint à skipper, puis on peut mourir, parce qu'on mourrait bien ici, mais il n'y a rien qui tue. Ce qui est un peu dommage. Faut skipper ce checkpoint-là, let's go.
ici, on aurait failli le dernier sub. Yes, sir. On aime ça, voir cet achievement. Ouais, ça, parce qu'il faut tout à refaire le jeu. Quasiment au complet, là. Les boss qui laissent des achievements, des HP en arrière d'eux autres, on va les chercher, puis on a pris rien pendant la route initiale, vu que faut finir à low person tout moins une fois. Voyons, j'ai même pas besoin de recharger. Là, j'en avais oublié un quelque part, avec let's go. Ça, c'est l'achievement qu'on avait oublié dans mon fou PB. Alright, on a un autre gros time save ici, si on peut avoir le chapitre 9 d'une shot. Chapitre 9 aussi, faut pas pogner de checkpoint. Sauf qu'on a un boss squelette à la fin, c'est ça qui est dérangeant. Ça devrait être le dernier upgrade de HP. Si c'est le cas, on est content. On va avoir un achievement. Let's go. On skip ce checkpoint là, let's go! Si on peut éviter de se faire toucher le plus possible, ça va bien aller. S'il y avait un SP, ah, on va en avoir un certain. Alright. Si on meurt pas, on gagne une tonne de temps. Let's go! Check ça! Ah, j'avais pas d'SP. Ah,
Oui, mon frère aussi, il a dit ça que c'était le fun à regarder. Ah, j'ai oublié qu'il n'y avait pas de texte. Avoir un 4 jam. Oh, il y a de la musique. That's it, ça va finir le jeu, puis avoir le world record dès là. Si, je dis bien si, on n'a rien oublié. On a eu les turrets bleus, on a eu les parries, on a eu le gadget. Normalement, ça devrait être bon. Sont bien nice tes hype. Je pense que j'avais jamais vu tes emotes de hype. So nice. Let's go! Thanks Eric for the GG. Merci Max. Merci Daisy Fan pour les GG. Thanks Roll for the GG. Will you try to get your world record back? If effectivement Max, si toutes les feats sont là, if all the feats are done, it should be. C'est pas juste un PB, c'est un world record. Merci Daisy Fan. Parce que c'est une run qui est longue, qui est pas super le fun à runner. Elle peut être longue à starter aussi. C'est avant le premier boss, faut faire un pacifiste, fait qu'il faut tuer aucun ennemi. Puis avant le chapitre 4, faut pas mourir une fois. Fait que ça, c'est les deux gros achievements au début de la run. Ils peuvent être longs à starter. Une fois que t'es pas mort jusqu'au chapitre 4, la run, elle peut être complétée pas mal. Tu peux pas... À moins d'oublier quelque chose, tu peux finir la run. Mais c'est les deux bouts. Font que la run peut être longue à starter. Hier, j'ai juste réussi à faire une run à cause de ça. Mais aujourd'hui, c'est ma troisième, fait que ça a bien été. J'ai que ça, j'ai 20 minutes, j'ai 6 minutes que je peux gagner à peu près partout. Avec mes goals, j'ai un sum of best d'une 20. Et Mecha Dragon qui m'a fait tuer au chapitre 4. Il y a le chapitre 7 que j'ai raté aussi. Chapter 4, Mecha Dragon was bad. J'ai perdu 2 minutes juste là. Chapter 7.
And just another 45 seconds right there, and then it was pretty stable, I think. Until chapter 4 that I did not get any checkpoint. Fait que j'ai pu détruire chapitre 4 que j'avais pas réussi dans ma run. Chapitre 9, même affaire. Je pense pas, mais je viens de le pogner. Si cette run-là est bonne. Mais je pense ça, Roll il est parti sur autre chose. Yes, bon matin, bon midi, grand canard. Bon après-midi. Je participe à nos resets le 18 mars. Ma run est à 3h30. On va faire Jenny Person de Cyber Shadow. Ça pour les petits rois. Bonne cause. Ah, j'ai pas le lien pour les petits rois. Faudrait que je le mette dedans. Mais si tu cherches les petits rois sur Google, tu devrais pouvoir trouver la fondation. Fondation les petits rois, peut-être. Je sais pas. Il doit y avoir ben des trucs avec les petits rois. Là. Oh, j'ai mal au pouce. Il était temps que je finisse. Yeah! 1 second for any person. This one for all feats. I think Eryx is on your toe for the low percent. Well, there would have the undo. I don't know if someone will get it back. We'll go get it. My run has been approved. Yeah, that's what I think. He's on the way. He's on the verge. He just needs a good run. And it should be it. The run that we all are waiting for when we're running. That one run. All right. Let's go check the confirm this. Yes, 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 yes. Confirm.